La Corse vit des heures importantes pour son avenir. Durant la précédente mandature, Kursiga Libera a fait adopter par une majorité de l'Assemblée de Corse la plupart de ses propositions pour une réforme importante. Co-officialité de la langue corse, statut de résident, statut fiscal, agenda 21, collectivité unique, demande de révision constitutionnelle, PADUC fondée sur l'identité, l'environnement et la justice sociale, amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Toutes ces revendications, nous les avons portées seules durant quarante ans. Elles sont désormais majoritaires à l'Assemblée et au sein de la société corse, ce qui a fait dire aux adversaires les plus déterminés du mouvement national que nous avions gagné la bataille des idées. Le FLNC en a tiré les conséquences et a décidé, il y a plus d'un an, sa sortie de la clandestinité, événement de portée historique qui a ouvert la voie à une nouvelle étape de lutte. L'objectif de cette nouvelle étape sera d'obtenir de Paris la mise en application de cette réforme voulue par les Corses, laquelle constitue un véritable projet de société d'essence nationale. Il s'agit à présent de construire un nouveau rapport de force avec le gouvernement français. Dans ce rapport de force, le vote Corsica-Libera sera évidemment celui qui pèsera le plus lourd, car notre formation est la seule qui assume pleinement les quatre décennies de conflits qui viennent de s'écouler. Aujourd'hui, les nationalistes unis peuvent gouverner la Corse. Pour notre part, nous, les indépendantistes y sommes prêts. Gouverner pour commencer l'œuvre de reconstruction nationale. Gouverner pour faire en sorte que notre peuple, seule communauté de droit sur la terre de Corse, demeure maître de son destin. Car et notre capacité à instaurer un véritable développement économique sera l'enjeu de ces prochaines années. Les choix opérés jusqu'à aujourd'hui ont conduit à l'accroissement des inégalités, du chômage et de la pauvreté. Pour Corsica Libra, le choix est clairement celui de la maîtrise de notre développement durable, solidaire, fondée sur l'éducation, l'identité, l'environnement et la justice sociale. Nous avons contribué à ce que le nouveau PADUC intègre les principes d'un développement productif au service des Corses. Notre économie subit une pression migratoire trop importante. Nous importons 90% de ce que nous consommons. Ce constat contraste pourtant avec nos potentialités réelles. La Corse n'est pas pauvre, elle a été mal gérée et appauvrie. L'indépendance économique est pour nous depuis toujours un objectif fondamental. Elle se fonde sur la maîtrise de nos transports, par la création de la compagnie publique maritime, sur la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire afin de produire ce que nous consommons, de créer des emplois en ouvrant de nouveaux marchés. La mobilisation de l'épargne corse permettra la création d'un fonds de garantie pour la mise en œuvre de projets de développement dans les secteurs clés de notre économie. L'indépendance économique, c'est aussi la compétence fiscale permettant à la Corse de percevoir l'impôt nous pourrons alors supprimer les droits de succession pour la quasi totalité des Corses, à l'exception des grosses fortunes, donnant ainsi un coup d'arrêt à la dépossession programmée de notre patrimoine. Nous pourrions ainsi instaurer une fiscalité incitative pour les zones rurales, en créant des zones franches et des mesures adaptées à nos entreprises artisanales et commerciales. L'indépendance économique, c'est encore la formation des hommes, en adéquation avec les besoins du territoire, en encourageant la recherche et l'innovation. Enfin, à la décorsisation systématique des marges d'exclusion par excellence doit être substituée une politique privilégiant l'emploi local dans les secteurs publics et privés. Depuis toujours, Cortegali est présente aux côtés de tous les travailleurs corses. Pourtant, avec plus de 22 000 demandeurs d'emploi, dont une très grande majorité de jeunes, notre peuple se retrouve contraint à l'exil ou dans l'obligation d'accepter des emplois précaires, ces emplois sous-rémunérés engendre un appauvrissement des Corses, les privant d'accéder à la propriété et de pouvoir vivre décemment sur leurs terres. Les politiques de restriction budgétaire menées ces dernières années n'ont fait qu'aggraver cette situation. Corsiga Libera est partie prenante du courant anti austérité. En Corse, comme ailleurs, ces inégalités sont la cause principale de la crise, mais ce n'est pas une fatalité. Il a été démontré que les pays qui investissent de manière significative dans les domaines de l'éducation et de la formation sont ceux qui réussissent à créer le plus de richesse et de bien vivre pour leurs citoyens. Cortika Libera proposera d'augmenter massivement les investissements dans ces domaines pour créer de l'emploi qualifiant, favoriser l'égalité des chances et lutter contre la précarité et le clientélisme. Cette politique doit être accompagnée de la mise en œuvre effective de la corsisation des emplois, qui est une de nos revendications historiques. Nous exigerons que les cadres formés par l'Université de Corse soient prioritaires dans l'administration et dans le secteur privé. L'avenir que nous voulons offrir à nos enfants n'est pas celui de la précarité, de l'assistanat, et encore moins celui de la spirale mortifère de l'argent facile.

Si j'ai accepté d'être candidat, c'est parce que Debout la France se tourne vers la jeunesse et cette jeunesse représente l'avenir de notre pays. Pourquoi vous présentez à 76 ans Tu sais, la politique, il n'y a pas d'âge. La politique, c'est la vie quotidienne des citoyens. C'est aussi l'avenir, l'avenir dont tu fais partie, que tu représentes très bien. Et il est, il est bon que des gens qui ont une expérience de la vie eh bien, soient là pour faire part de leur expérience aux nouvelles générations. Hyacinthe, que comptez-vous faire pour le sport en Corse Andrea, le sport en Corse est quelque chose de très important. Donc, il nous faut tout faire pour que ce sport se développe. Dans le sport cycliste, dans les randonnées pédestres, il nous faut développer ce genre de sport, aussi bien le sport de la mer que de la montagne, pour la prospérité de notre île. Que comptez-vous faire pour la culture en Corse La culture en Corse est quelque chose de très très important parce que c'est l'âme de notre île et à travers la culture les gens voient une population avec sa spécificité c'est pour cela que dès le plus jeune âge dès la maternelle il faut que tout soit mis en œuvre pour que des jeunes enfants puissent apprendre notre histoire et l'histoire de notre île en même temps que l'histoire de la France, les deux sont est, extrêmement liés. Et cette culture-là, elle va apporter beaucoup à la Corse, c'est-à-dire que sur le plan touristique, des gens viennent chercher chez nous le dépaysement. Donc nous avons là une terre riche, riche par son histoire, par, sa, par son environnement et par sa population. Il faut à tout prix le mettre en valeur. Que pensez-vous du numérique Mais Andrea, le numérique, c'est quelque chose de très important. C'est l'avenir. C'est quelque chose qui va révolutionner l'avenir même de la Corse. Et ça va permettre à des services, par exemple pour la collectivité territoriale, de décentraliser et d'installer de, des services entiers dans des communes très éloignées, dans le rural, ce qui sera très bon pour la Corse et pour les services de proximité. Si j'ai accepté d'être candidat à 76 ans, c'est avant tout pour montrer aux nouvelles générations qu'on peut rester jeune tout au long de la vie. Et ensuite, avec le sigle que nous avons adopté Debout la France, c'est pour montrer aussi qu'il faut être à l'écoute de cette jeunesse, de cette jeunesse qui représente notre avenir, l'avenir de la région et l'avenir de la France tout entière. Mes chers compatriotes, la France est en deuil. Député de la Nation au Congrès comme à l'Assemblée, je soutiens l'action de la République contre ses ennemis. La Corse et son peuple sont solidaires, parce que bien sûr nous sommes français, mais aussi parce que nous avons payé le prix de la violence au cours des dernières années, avec son cortège de pleurs et de larmes. Depuis 2010, le dialogue démocratique initié par notre exécutif a contribué à la fin de la violence politique. Nous soutenons aussi l'action du gouvernement et de la justice pour mettre fin à la violence criminelle et crapuleuse qui n'a pas sa place dans la Corse de demain que nous voulons. Le dialogue démocratique nous donne entre autres la collectivité unique qui rendra dans deux ans nos institutions plus efficaces. La Corse doit encore trouver sa place dans la constitution de la République pour adapter notre fiscalité, sauver notre langue, protéger notre terre. Mais au-delà de ces acquis et perspectives politiques, nous avons travaillé d'arrache-pied et obtenu des résultats décisifs pour faire avancer la Corse au quotidien. Maria Dujidjé. Nous ne faisons aucune promesse, mais notre ambition est de répondre demain encore mieux aux attentes quotidiennes des Corses. En effet, depuis 2010, nous avons travaillé et notre action nous a permis d'obtenir des moyens jusqu'ici inédits. Aussi, nous le disons. Les acquidières sont les emplois de demain. Les acquidières sont aussi la garantie d'un logement pour tous. Alors aujourd'hui, le PADUC, nous l'avons. Il nous engage pour les trente prochaines années sur la voie d'un véritable développement économique, social et culturel. Aujourd'hui, pour la première fois, nous disposons d'un plan pour la transition énergétique doté de 3 milliards d'euros. Cela signifie des centrales thermiques qui fonctionneront au gaz. Cela signifie le développement des énergies renouvelables avec un grand plan de réhabilitation des bâtiments et à la clé des formations adaptées pour la création de 4000 emplois pérennes. Cette démarche résolue en direction de l'emploi privé se fera dans le cadre de contrats d'économie productive, qui se déclineront d'ailleurs dans tous les secteurs d'activité et s'adresseront à tous les acteurs économiques qu'ils soient artisans ou commerçants, entreprises du BTP, industriels, professionnels du tourisme, actifs agricoles ou encore acteurs associatifs. Enfin, nous avons initié et mené une vraie politique du logement et nous avons engagé des moyens jusque là inégalés. Nous avons innové en créant une aide à l'accession à la propriété pour les ménages les plus modestes. Cette mesure a déjà permis à plus d'un millier de jeunes Corses d'acquérir leur premier logement. Nous avons créé notre Office foncier de Corse, doté de moyens exceptionnels et qui nous permettra de favoriser la construction chaque année pendant dix ans de 2100 logements, dont 600 logements sociaux. L'Office foncier de Corse est un véritable bouclier anti-spéculatif qui fera diminuer les prix des logements. Aussi, nous ne formulons pas de promesses, mais nous continuerons d'agir résolument afin de poursuivre cet effort massif en faveur du logement, de l'emploi et du développement dans notre île. Paul Marie. Les transports constituent une priorité, tant au sein de notre île qu'en direction de l'extérieur. Depuis cinq ans, nous avons amélioré le réseau ferroviaire. Les trains sont désormais fiables avec une qualité de service réelle. Rappelons-nous ce système de freinage qui n'est plus qu'un mauvais souvenir. La fréquentation dans le périurbain est en hausse constante. Un programme d'investissement de 140 millions d'euros a été voté pour l'amélioration des voies et de la sécurité, notamment la conduite centralisée de la voie unique. Le réseau routier connaît aussi de nombreuses améliorations sur les grands axes les travaux en cours en témoignent. Un schéma directeur d'investissement cohérent et rationnel a été adopté et assure le maillage du territoire. Depuis 2010, 240 millions d'euros ont été investis sur le réseau routier. Au niveau des ports et des aéroports, cent vingt cinq millions d'euros ont été dépensés par la collectivité pour améliorer ces infrastructures. Le secteur aérien fait l'objet de nouvelles délégations de services publics qui adaptent mieux la desserte aux besoins des usagers. Les tarifs sont contenus et même réduits. Nous avons instauré un tarif résident sous conditions attractives. De plus, la compensation sur Paris est en moyenne de trente cinq millions d'euros par an. La collectivité maîtrise les dépenses liées à cette desserte et se concentre sur le bord à bord. Dans le secteur maritime, le nouveau dispositif de desserte est élaboré en étroite liaison avec la Commission européenne pour éviter tout risque de contentieux. Une consultation des acteurs locaux est ainsi organisée jusqu'au 15 décembre. Nous attendons l'issue des réflexions du Tribunal de commerce de Marseille pour connaître l'avenir de la SNCM. Dans ce cadre aussi, la CTC entend maîtriser le montant de la compensation financière. Enfin, les relations maritimes Corse-Sardaigne, santa Teresa et Propriano-Porto-Torres seront pérennisées. Nous avons agi pendant que d'autres parlaient. Avec votre confiance renouvelée, nous souhaitons poursuivre au service exclusif de l'intérêt général et de la Corse. Merci Maria, merci Paul-Marie. Voici une partie seulement du travail que vous avez accompli. Nous avons aussi obtenu de l'État et de l'Europe les moyens financiers du développement de la Corse, le programme exceptionnel d'investissement, le contrat de plan État-Région, les fonds européens, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez le choix dans cette élection. Voulez vous choisir des chevaux de retour qui prétendent réussir en deux ans là où ils ont toujours échoué pendant vingt ans? Préférez vous des chevaux légers qui vous promettent des lendemains, qui chantent et qui n'ont ni référence ni projet réaliste? Notre Rassemblement, représenté ici par vous, Maria, par toi, Paul Marie, est celui de ceux qui travaillent dans la responsabilité comme des bêtes de somme. Vous nous avez vus à l'ouvrage, vous connaissez nos résultats et nos acquis, vous savez que vous pouvez nous faire confiance.